Merci. Bonne nuit, Julie. Oui, bonne nuit. Ah merde, désolé. Laisse, je m'occupe. J'ai passé une super soirée hier. Moi aussi. Allez, rentre chez toi. Ma fusil de regard toute la journée. Alors. Tout ça parce que j'étais un peu à la bourre niveau régime. Tout ça parce qu'il a pas reçu son petit café du matin. Laisse tomber, le mec fait sa diva, mais il rigolera moins avec la scène d'aujourd'hui. C'est même pas s'il sait pour le changement d'horaire, vu l'heure à laquelle nous on a été mis au courant. Ça m'en parle pas, ça m'a saoulé de me lever si tôt. Nemrod, t'es là, nickel. J'essaie de te joindre depuis hier, on tourne plutôt prévu aujourd'hui. Je vais te prévenir, ta batterie est naze ou quoi? Non, mais je. Enfin bref, si t'es là, c'est qu'on t'a prévenu. Tu viens, on se dépêche, souris un petit peu, tu sais que ça m'aide, hein. Bon, du coup, je pense que tu sais qu'on tourne là, c'est dans dispute aujourd'hui. Enfin, la déco était pas prête pour le dîner des parents de chez Vanessa, enfin bref, ça va se reporter. Et je voulais te dire, bravo pour hier, fille. C'était le bordel avec la figume, t'as trop bien géré ça. Allez, va te maquiller. Attends, touche pas. Merci. Attends. Bon, Nemrod, je te préviens, aujourd'hui, tu te colles le texte. Ton approche à la con hier, ça m'a vraiment, vraiment déconcentré. T'étais juste censé me dire bonne nuit, pas te cogner à cette foutue table, m'entraîner dans ton numéro sentimentaliste à 2 balles. Ok, c'était mignon, ok, ça a plu à César, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de dialogues. Donc s'il te plaît, fais pas chier, sinon je te suis pas. Mais Vanessa, je suis juste... Hello. Ouais. Ouais, c'est pas mal, ça. T'es bien pâle comme il faut, là. Hein? Tu lui rajoutes un peu de cerne? Ok, je te fais ça. C'est du bon travail, Eben. Hein? Bon, le plus important, c'est que vous fassiez monter la tension, d'accord? Mm-hmm. Comme à la répète. Hein? Ton Nemrod, elle t'a trompé. T'es vénère, d'accord? Tu souhaiterais de tout ton cœur de jamais l'avoir rencontré. Je sais pas, là, je comprends pas. Voilà, voilà, c'est ça. C'est ça. Toi, Charlotte, tu l'aimes. Pas compliqué. Mmh. Tu sais très bien que tu l'as jamais trompé sentimentalement. D'accord? Ok, oui. Bon, allez, on y va. Ok, tout le monde, on se met en place, s'il vous plaît. Moteur demandé. On tourne. Annonce. 9 sur 2, 3ème. Et action. Stop!
Maintenant, tu vas m'expliquer, c'est quoi ce bordel? Je sais, je suis désolée. Combien de fois faut que je m'excuse pour que tu me croies? Mais te fous pas de ma gueule, désolée, de quoi? On s'est vu qu'une fois. Ok, ok, c'est aussi l'impression que j'ai maintenant que je réalise ce que je suis en train de faire, mais... Je te demande juste d'essayer de comprendre. On est passé à travers tellement de choses tous les deux. J'ai pas voulu cette situation, j'ai pas réfléchi. Comprendre quoi? Comprendre quoi? Tout ça c'est une blague ça, t'as un putain de... Non, Julien, attends, je te jure, je t'aime. Mais tais-toi! C'est impossible, on se connaît à peine. Mais tu peux pas me faire ça, putain. Tu peux pas me faire ça. Tu peux pas jouer avec moi comme ça. Jouer. Julien. Ok, coupé, vous pouvez prendre 5 minutes. Nemrod, t'es pas obligé d'aller jusque-là. C'est bon, c'est pas utile. Ça va? Oh les gars, vous auriez pu me prévenir qu'on tournait plus tôt ce matin, non? Accessoirement. Nemrod? Attends, c'est moi, Nemrod. Lui, c'est Julien. Quoi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore pleurer ou casser quelque chose? C'est ça? Allez. Fais-moi confiance, hein, laisse-moi reprendre les choses en main. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Nemrod, je suis plus réel que toi.